Bienvenue au Centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Massina, à Kinshasa, République démocratique du Congo, le Centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que le dimanche dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime. Et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Alors que nous sommes assis, pourriez-vous m'aider à accueillir un ami, un collègue, en la personne de Bishop Kabangu Malela. Amen, amen. Qui est au milieu de nous, veuillez vous lever, nous voulons vous accueillir. Jambia Kobenesh. Ah, j'ai parlé la langue de chez nous. Njambi akubienesh. Nous parlons du royaume et nous parlons du but de l'avenir de Jésus-Christ dans le monde. Jésus n'est pas venu comme un chef religieux. Il n'est pas venu pour chercher à établir une religion. Mais Jésus est revenu dans le monde, je dis bien revenu, parce qu'il a toujours été dans le monde. On l'a vu dans l'Ancien Testament lorsque Daniel était dans la fosse au lion. C'est celui, le lion de la tribu de Juda, qui était avec lui pour maîtriser les lions. Amen. Amen. Nous l'avons vu avec Sadrach et Messach. Et c'est celui qui est le feu dévorant, qui est venu pour éteindre le feu du roi, qui voulait la mort de ses serviteurs. Nous l'avons vu avec Joseph dans la prison. C'est lui qui est et qui est venu encore dans ce monde. Ce double but de l'avenir de Jésus-Christ, premièrement, c'était pour réintroduire le royaume qui a été banni. Comme Ikavot, le royaume de Dieu, que Dieu voulait établir sur la terre, son territoire, son règne invisible devait se manifester sur une planète au travers des humains. Ça, c'était le but que Dieu a créé la terre. C'était pour étendre son territoire, le territoire de son royaume. Lorsque nous, Église, nous ne comprenons pas ça, nous allons vivre ici sur terre comme des religieux et nous n'accomplirons pas le but de Dieu ici sur terre. Il est venu pour établir son règne, un territoire et son royaume invisible.
Celui qui a créé le ciel et la terre, et dans le psaume 115, il nous est dit que les cieux sont les cieux de Dieu. Il a créé le ciel et la terre, et il a donné la terre au fils de l'homme. C'est-à-dire, l'homme devait être le prince, et il était le prince, un régent avec Dieu sur terre. Mais lorsque l'homme a péché, il s'est vendu. Et nous voyons la Bible nous déclarer Satan qui est venu et qui a dit même à Jésus-Christ, fléchis les genoux et je te donnerai tous ces royaumes, parce que ces royaumes m'ont été donnés. Il lui montra tous les royaumes de la terre. C'est-à-dire, c'est lui qui contrôle le royaume, les nations de la terre. À l'époque, c'était le diable, l'usurpateur. Il a usurpé, c'est l'homme lui-même qui a écouté sa séduction et il a donné la plus grande propriété de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait sur la base d'une jurisprudence. Dieu, c'est le Dieu de la justice. Mais il ne pouvait pas reprendre la terre qu'il a donnée à l'homme légalement, sans passer par le moyen légal. Et quel était le moyen légal de Dieu pour récupérer son entité, l'entité de son royaume qu'est la terre et les hommes qui étaient sur la terre? Le moyen légal de Dieu, Dieu lui-même a trouvé la solution. Amen. Pour que l'homme retrouve le royaume de Dieu, c'est pourquoi le Christ, quand il est venu dans ce monde, les mages qui sont venus de l'Orient, qu'est-ce qu'ils ont dit à Hérode? Ils ont déclaré à Hérode que nous sommes venus. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi? Il n'a pas dit où est le sauveur. Et ça, nous sommes ensemble avec vous. Pourquoi vous devez comprendre, frères et sœurs, l'importance, comme la Bible nous dit, comme Jésus-Christ dit, chercher premièrement le royaume, c'est-à-dire, lui n'est pas venu établir une religion, mais il est venu réintroduire et établir le royaume. C'est pourquoi il a dit même le jour où Pilate a dit, es-tu le roi? Il a dit, tu l'as dit, tu as si bien dit. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Cela ne veut pas dire. C'est pourquoi il y a des gens qui pensent que le royaume de Dieu, le royaume de Jésus n'était pas le royaume de ce monde. Il parlait par rapport au royaume du monde. Mais lui est venu, mon royaume n'est pas le royaume de ce monde. Mais je suis venu réintroduire et établir le royaume de Dieu. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais demandé à mon Père qu'il envoie toute une légion d'anges pour venir me sécuriser. Mais comme je ne suis pas premièrement établi ce royaume à la manière donc, vous attendez l'établissement de ce royaume, parce qu'à l'époque, Israël était sous la domination de l'Empire romain. Et il voulait voir un guerrier qui vient conquérir, qui vient récupérer le royaume. Or, le royaume de Dieu ne pouvait pas s'établir de cette manière. Des fois, nous nous attendons, frères et sœurs, à voir Dieu opérer à la dimension des hommes. Mais Dieu n'opère jamais à la manière des hommes. C'est pourquoi il a déclaré, mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous pouvez prier, vous pouvez voir la méchanceté des hommes. Vous pouvez voir des choses se passer dans ce monde. Mais des fois, vous vous demandez, est-ce que Dieu
à laisser ce monde à la merci de tout ce que nous voyons. C'est ce que certaines personnes croient. C'est pourquoi il y a eu même la naissance de toutes ces révolutions. Le Dieu de l'orthodoxie a veillé et il a laissé le monde à la merci de tout ce que nous pouvons voir dans le monde. Vive les révolutions. Et nous avons vu des successions de révolutions. C'est-à-dire l'homme pense que Dieu a laissé ce monde. Frères et sœurs, Dieu a toujours un but lorsqu'il fait quelque chose. Amen. Des fois, nous n'avons pas de but par rapport à ce que nous faisons. Vous êtes né par hasard, vous avez grandi par hasard, vous avez étudié par hasard, vous vous êtes marié par hasard, mais Dieu n'est pas dans le hasard. Dieu a un but, Dieu a une vision, c'est pourquoi il est Alpha et Oméga. Il commence et il achève. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le monde, notre Dieu n'est pas un Dieu cyclique où les événements doivent toujours revenir. Dieu est en train d'amener l'histoire vers son aboutissement et vers sa fin. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Mais il ne le fera pas à la manière des hommes. Il s'y prend. Il choisit des choses faibles du monde pour confondre les forts. Mais quand Hérode a entendu seulement « Où est le roi des Juifs ?» paniqué. Il avait les services de renseignement, il avait tout l'équipement, il pouvait connaître là où était né l'enfant. Où est le roi des Juifs? Un roi? Alors que moi je suis le roi, quel autre roi qui doit naître? Est-ce que ma femme est enceinte parce qu'il y a un prince qui va me succéder, qui vient? Où est le roi des Juifs? Et la Bible nous dit qu'il a appelé les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs et les scribes. Dis avec moi, souverain sacrificateur. Les sacrificateurs et les scribes qui ont écrit la loi de Dieu, la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils viennent lui déclarer que dans Michée, le prophète Michée avait déjà parlé. Vous écrivez ça. Michée avait parlé déjà dans Michée chapitre 5 que « Et toi Bethléem, la plus petite d'entre vie d'entre les villes de Juda, de toi naîtra pour moi. » Alléluia. « De toi naîtra pour moi. » Pour Dieu, il n'est pas né pour une personne. Il est né pour accomplir la volonté de Dieu. « De toi naîtra pour moi. » C'est lui dont la domination repose et reposera sur ses épaules. Et toi, Bethléem Ephrata, petit d'entre les milliers de Juda. Juda, c'était la tribu royale. Lorsque vous lisez dans la bénédiction de Jacob, il a dit que Juda tient le sceptre de la domination, de la royauté. De toi sortira pour moi. C'est lui qui dominera Israël et dont l'origine remonte au temps ancien et au jour de l'éternité. C'est lui qui viendra. Il n'est pas de ce monde. C'est lui qui viendra pour établir le royaume de Dieu. Son origine remonte au temps de l'éternité. C'est que Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, il est venu comme roi qui existait là avec son Père dans son règne éternel. Amen. Amen. Nous aimerions répéter ça, frères et sœurs, pour que vous puissiez voir que le Christ Jésus que nous adorons, il n'est pas comme les autres, je ne vais pas citer leurs noms pour ne pas leur donner de crédit, des chefs religieux qui sont dans de telle autre religion, où vous appartenez à une secte, où vous appartenez à une société secrète, où vous appartenez à un loge, appartenez-vous à ces loges-là. Mais ces loges-là ne seraient jamais
arriver à la dimension de celui qui règne éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle, il ne saura jamais arriver là. L'éloge, c'est pourquoi la Bible nous dit qu'il a mis toutes choses sous ses pieds. Ça, c'est un. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et lorsque Hérode entend, c'est à Bethléem. Hérode va s'en charger pour aller envoyer, parce que les mages ne sont pas revenus, pour lui donner le rapport, pour dire, non, non, allez l'adorer, moi aussi. S'ils étaient allés ensemble, ce qui est grave, c'est qu'ils ne sont pas allés ensemble avec les mages. Les mages sont partis, mais de retour, Dieu les a avertis que ce n'est pas par là. Voilà. Mais maintenant, quand le roi est venu, comment ceux-là qui sont devenus esclaves, comment ceux-là qui sont devenus des sujets du diable, qui sont nés dans le royaume des ténèbres, devaient entrer maintenant, être réintroduits maintenant dans le royaume de Dieu. C'est là que nous voulons partager. Amen. Le premier but, c'était pour introduire le royaume et c'était pour annoncer le royaume, établir le royaume. Le deuxième but, c'est le moyen par lequel le Seigneur, Dieu, a prévu pour que ceux-là qui ont été des esclaves soient affranchis, soient rachetés, pour qu'ils soient réintroduits dans le royaume. C'est le moyen que le Seigneur a annoncé. Amen. On est là ensemble? Je voulais réintroduire ça parce que, vous savez, lorsque un enseignement commence, souvent, vous allez nous trouver au milieu de la rivière, au milieu du fleuve, mais vous ne savez pas là où nous allons. Et ce matin, nous voulons parler de l'initiative de Dieu. Toujours Dieu qui prend l'initiative. Pasteur, vous pouvez venir nous lire. Notre texte de ce matin de base, c'est Ésaïe 57. Ésaïe 57 à partir du verset 14e. Ésaïe 57 à partir du verset 14e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, car devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies, je le guérirai, je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je le guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée et qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vague, la vase et les limons. Il n'y a point de paix pour le méchant, dit mon Dieu. Amen. Amen. Le prophète Ésaïe nous parle ici de ce qui s'est passé en Israël. Dans le verset qui précède, parce que pour comprendre le verset qui suit, nous devons voir le verset qui précède. C'est là la compréhension. Le verset et les chapitres ici ont été seulement scindés par les écrivains de la Bible pour séparer quelques pensées. Mais nous pouvons traverser jusqu'à toucher les autres versets. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, la situation sociale, la situation spirituelle, économique du peuple était tellement mauvais à cause du péché, de l'idolâtrie, à cause
de la désobéissance du peuple, que le Seigneur pouvait permettre à ce que certaines personnes qui vivaient dans la justice ne pouvaient pas continuer à voir le mal, comme le cas, par exemple, d'Enoch. Vous savez qu'Enoch, Dieu l'a enlevé avant qu'il y ait déluge. Et les hommes qui vivaient à l'époque, parce que le cœur de l'homme était méchant, ils ne pouvaient pas voir l'intervention de Dieu. C'est pourquoi au verset premier, il dit ceci. Des innocents périssent, mais nul ne s'en soucie. Des hommes de bien, ok, vous pouvez lire, pasteur. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Et il entrera dans la paix et reposera sur sa couche celui qui aura suivi le droit chemin. Mais vous approchez ici, fils de l'enchanteuse. Ok, merci, oui. Pasteur. Merci. À l'époque, on pouvait voir les justes a disparu et personne n'a pris à cœur. Les hommes pieux sont retirés et nul ne prend garde que le juste a été retiré devant le mal. C'est-à-dire le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez certaines choses qui se passaient. Dieu peut prendre ses enfants. Il peut prendre ses serviteurs avant qu'une situation ne se détériore. Dieu le faisait et personne ne se demandait. Peut-être certaines personnes pouvaient dire, mais pourquoi celui-là qui vit, qui ne vit pas comme les autres, peut quitter ce monde à fleur de l'âge? Qu'il s'en aille en paix, qu'il repose sur leur couche ceux qui ont suivi le droit chemin. Il y avait les autres qui voyaient l'idolâtrie et qui pouvaient peut-être prier, Seigneur, prends-moi. Est-ce que c'est la lâcheté? Lorsque nous sommes dans une situation, certaines personnes se suicident, mais ces justes ne se sont pas suicidés. L'Éternel lui-même a prévu un mécanisme de les éloigner. C'est tout comme l'Église. Un jour, l'Église sera prise avant que l'Antichrist et la grande tribulation ne viennent toucher l'humanité. Amen. Le Seigneur prendra son peuple. Il nous fera échapper. Et la Bible dit que l'idolâtrie était telle que Dieu a vu tout cela. C'est Dieu qui habite où? Disait avec moi le verset 14 et 15. Le terme frère, c'est Dieu, l'initiative de Dieu que Dieu a pris lui-même. L'initiative de Dieu pour la réintroduction de l'homme dans son royaume. C'est Dieu toujours qui prend l'initiative. L'homme se contente. L'homme s'engraisse dans tout le mal qu'il est en train de faire, oubliant que la destruction l'attend. Mais Dieu prend toujours l'initiative. Dis avec moi, Dieu prend toujours l'initiative. Et pourquoi Dieu prend l'initiative au travers du mal, au travers de tout ce qui se passe? Et les gens commençaient à influencer la vie des autres, commençaient à pousser les autres au mal. Et comme au verset, par exemple, le verset 3 et 4, avant que nous puissions lire le verset 14e. Mais vous approchez ici. Fils de l'enchanteresse. Fils de l'enchanteresse. L'enchanteresse, c'est quoi? L'enchanteresse, ce sont des pratiques magiques, des pratiques ésotériques. Race de l'adultère et de la prostituée. Et de la prostituée. Adultère, ce n'est pas seulement l'adultère
physique que l'homme fait, mais l'adultère et la fornication est la manifestation physique de ce qui est spirituel. Lorsque l'homme est prostitué, commet l'adultère dans la dimension de l'esprit, l'adultère veut dire quoi? L'homme quitte Dieu, il s'est détaché de Dieu pour s'attacher à autre Dieu. Quand vous voyez ça dans la Bible, cela ne veut pas dire qu'il y a l'adultère physique, mais l'adultère spirituel, où l'homme s'est attaché à un autre Dieu que son Dieu. Parce que Dieu appelle son peuple mon époux. Lorsque vous lisez Osée, par exemple, Dieu a dit à Esaïe, à Osée, allez prendre une femme prostituée dans la vie, elle vit dans la prostitution, prends-la. Mais le prophète a dit, comment dois-je aller prendre une prostituée? Et le Seigneur lui a dit, allez prendre. Et Osée est allé prendre cette femme, ils ont eu des enfants. Un autre Lo Ami, un autre Lo Ruchama. Vous n'êtes plus ami à Dieu. L'autre, vous n'êtes plus en accord avec Dieu. Et lorsque Osée a pris cette femme-là, Dieu va lui dire, ainsi est Israël qui m'a abandonné, qui est allé s'attacher au Dieu étranger. Moi, j'attendais qu'il serait avec moi seul. Je lui donne tout ce que je lui donne. Je lui donne les moûts, je lui donne le vin, je lui donne l'argent, je lui donne tout, mais il est allé s'attacher avec un Dieu étranger. Voilà dans la Bible, lorsque vous lisez, cette sorte de prostitution, c'est notre attachement à certaines choses, notre attachement à certaines pratiques qui fait de nous prostituer. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Est-ce que nous avons compris jusque-là? Si vous voulez comprendre ces textes-là, allez dans le livre d'Osée où vous verrez que Dieu appelle. Il a dit, je l'avais amené dans le désert, la vallée de Baca. Je vais l'amener dans la vallée d'Accor, la vallée de souffrance. Et cette vallée de souffrance, je vais la transformer en porte d'espérance parce que Israël m'a abandonné. Il s'est attaché à des dieux étrangers. Voilà la situation qui s'est passée. Et la vie était devenue invivable en Israël. Approchez-vous, fille des enchanteresses et prostituées. Verset 4. De qui? De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche? Et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges? Voilà, continuez, pasteur. Et vous qui vous échauffez près des térébites, sous tout arbre verdoyant, qui égorgez les enfants dans les ravins et sous les grottes des rochers. Voilà des pratiques qu'ils faisaient. Ils allaient sacrifier les enfants dans le rocher et dans les ravins au nom des dieux de Moloch. Des sacrifices sanglants que Israël faisait dans les secrets. Personne ne voyait. Vous voyez quelqu'un rouler en carrosse, vous voyez quelqu'un qui a de l'argent, frères et sœurs, n'enviez pas. Dites à quelqu'un, n'enviez pas. Vous ne savez pas la source. Si sa source ce n'est pas Dieu, sa source est autre chose. Si la source de cette personne n'est pas Dieu dans ce que vous avez, si la source n'est pas Dieu, soit c'est par la corruption, soit par la trahison que vous trahissez les autres, soit par des pratiques occultes. Il y en a combien qui ont vendu leurs enfants, qui ont vendu leurs parents, qui ont vendu même une partie de leur corps, qui ont vendu même leurs entrailles. Il y en a combien qui ont fait cela pour que cette personne émerge dans ce monde.
La Bible nous dit que l'élévation ne vient pas de l'Orient. Vous pouvez être élevé aujourd'hui et demain, Dieu est capable de vous rabaisser. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Parce qu'il a dit à Israël, même si vous allez lever votre nid au-dessus des cimes des montagnes, même si vous allez placer votre grandeur au-dessus des cimes des montagnes, je vais te précipiter en bas. C'est ce que Dieu disait à Israël. Tu as placé tes couches, vous allez lire à la maison. Verset 8, tu as mis ton mémorial derrière les portes et les poteaux. Vous comprenez ça? Mémorial derrière les portes et les poteaux, ce sont des chambres secrètes. Dis avec moi, chambres secrètes. Il y en a combien qui ont les sanctuaires secrets dans la maison où la femme n'entre pas, où les enfants n'entrent pas? Sous les lits, il a mis quelque chose. Écoutez-moi, maman. Lorsque vous voyez votre mari apporter quelque chose qui te dit, ici ne touche pas, il faut lui dire, mon mari, là, lorsque vous dites ne touche pas, moi je peux balayer, je peux toucher. Les enfants peuvent entrer dans la chambre. C'est ce que vous allez chercher comme sacrifice. Derrière les portes, ils avaient toutes ces pratiques-là. Et Dieu avait envie le jugement. Tu t'es fatigué, il dit, verset 9e, tu t'es présenté devant le roi avec de l'huile. Tu as multiplié tes parfums. Tu as envoyé tes messagers au loin. Tu t'es abaissé jusqu'à l'enfer. Voilà. La corruption. Envoyer l'huile. Combien nous avons entendu des scandales ici en Afrique que tel. Personne qui a été élu en Occident, c'est l'argent des Africains qui ont fait de lui un responsable là où il est. Combien de scandales nous avons entendus? On a entendu ces choses et regarde, c'est biblique. Le verset 9, lisez avec moi, d'Ésaïe 57. Tu vas auprès du roi avec de l'huile. Tu vas auprès du roi avec de l'huile. Tu multiplies tes aromates. Tu multiplies des aromates. Tu envoies au loin tes messagers. Tu envoies des émissaires au loin. Mm-hmm. Tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. Mais malgré vous faites ça, ce n'est pas la hauteur que vous allez monter, mais toi-même tu te places dans l'enfer. Si vous voyez que l'enfer est dans la Bible, hein? Vous avez vu que l'enfer est dans la Bible? Où est-ce que si toutes ces personnes vont aller? Ils vont aller tout droit, ils se précipitent, ils frayent leur chemin en enfer. Parmi nous, ils font des exploits. Au milieu de nous, nous les voyons grands. Au milieu de nous, nous les voyons combien ils sont. Mais pour Dieu, ils sont sur la voie de l'enfer. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Écoutez-moi, si vous pouvez être même devant un chef ou devant votre patron, et que votre patron cherche à vous initier dans les pratiques, il ne peut pas acheter votre conscience. Vous n'avez pas été créé à l'image de ton patron. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Et quand vous avez été créé à l'image de Dieu, c'est bien d'honorer Dieu que d'honorer l'homme. Lorsque vous allez honorer l'homme, cet homme-là, un jour, il quittera cette terre. Mais vous irez où? Vous avez été créé à l'image de Dieu. Et nous allons voir, malgré tout ça, regarde ce que ces gens continuent. Verset 10e, pasteur. À force de marcher, tu te fatigues. Tu t'es fatigué à force de marcher. À force de marcher, non pas un, deux, un, deux. C'est-à-dire, à force de pratiquer ces choses, tu t'es fatigué, mais tu es arrivé à une position de non-retour. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Il y a certaines personnes, frères et sœurs, à cause de leurs pratiques, à cause de tout ce qu'ils font de mal, ils sont sur une position de non-retour. De certaines pratiques que nous faisons. On peut vous dire aujourd'hui, comme quelqu'un est venu
Lorsque vous allez quelque part, on te demande toujours où est-ce que vous êtes né, qui sont les membres de ta famille, vous donnez leur nom, vous donnez leur nom, vous donnez leur nom. Vous pensez qu'on vous demande seulement le nom des membres de votre famille. Mais vous allez voir, jour après jour, par un accident, par une maladie brutale, par quelque chose comme ça, un membre de la famille part. Mais vous vous demandez, mais pourquoi ils sont en train de partir? Mais depuis que vous avez donné ces listes, vous allez donner la liste lorsqu'ils ont besoin. Si vous-même, vous ne passez pas, c'est l'un de vous qui va passer. Et ce sont des choses que nous vivons, même au niveau des églises aujourd'hui, à force de marcher. Tu n'as pas dit? Verset 10, pasteur. Tu ne dis pas, j'y renonce. Tu ne dis pas, je renonce. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Ça dit, tu as pris plaisir à ces choses-là. Tu as pris plaisir parce que vous avez toujours les moyens, l'occasion. Vous savez, la Bible nous dit que les désirs de l'homme sont comme un fleuve. Même si on lui jette, il est toujours insatisfait. Il peut dire, non, non, moi je n'ai pas pris. Il y a un bateau comme Titanic. Titanic aujourd'hui ne se voit même pas. Mais l'océan dit, ce n'est pas moi qui ai avalé Titanic. Ce n'est pas vrai. Malgré la grandeur de Titanic. C'est-à-dire, le cœur de l'homme est comme un gouffre insatiable. Lorsque l'homme s'engage dans une voie du mal, il ne dit pas que je renonce parce que je ne sais pas là où je veux. Où est-ce que cette situation va m'amener? Où est-ce que ces plaisirs vont m'amener? Où est-ce que toutes ces relations peuvent m'amener? Où est-ce que tout ce que je fais peut aboutir? Quel est l'aboutissement? Quelle est la fin? C'est pourquoi il y a un adage qui nous dit que la fin justifie les moyens. On peut utiliser tous les moyens pour vivre qu'on arrive à la fin. Mais est-ce que vous savez que vous arriverez à la fin? Est-ce que vous arriverez à la fin? Lisez, pasteur. Aussi n'es-tu pas dans l'abattement, et qui redoutais-tu, qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir et te soucier de moi? Écoutez Dieu qui est en train de nous supplier. Ah Seigneur, et qui donc craignais-tu? De qui avais-tu peur que tu m'aies renié? Et que tu ne te sois plus souvenu de moi. Et que tu ne t'en sois point soucié. Ne suis-je pas demeuré en silence? Ok? Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que vous lisez dans votre Bible? Nous sommes dans quel verset? Lisez avec moi ensemble. Lisons avec moi verset 11. De qui redoutais-tu? De qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas se souvenir, te soucier de moi? Waouh! Ça dit, vous, comme nous sommes là, nous voulons toujours que Dieu se soucie de nous. Mais Dieu aussi a besoin que nous puissions nous soucier de lui. Dans la relation, il n'y a pas sens unique. Il y a des gens qui pensent toujours que c'est Dieu qui doit faire quelque chose. C'est Dieu qui doit faire quelque chose pour nous. Mais qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Pourquoi n'est-il pas soucié de moi? Vous savez, Anne a eu l'enfant pourquoi? Anne, lorsqu'elle priait pour demander l'enfant, elle demandait l'enfant par compétition à Pénina, sa rivale qui l'a mortifiée. J'aimerais avoir l'enfant comme. Même aujourd'hui dans le monde, si tout ce que vous entreprenez dans votre vie, frères et sœurs, vous voulez être comme, vous êtes le plus malheureux. Parce que vous n'êtes pas comme, vous êtes unique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dites à quelqu'un, je ne suis pas comme, je suis unique.
Dites à quelqu'un à côté de vous, je ne suis pas comme vous, frère. Et je ne serai jamais comme vous. Je suis unique. Et vous, vous êtes unique. Wow. Il y a bien des gens qui font tout ce qu'il fait dans la vie, c'est en compétition avec les autres. Il veut étudier parce qu'il y a celui-là. Il veut avoir des points parce qu'il y a celui-là. Même dans le travail, il veut s'habiller parce qu'il a vu celui-là s'habiller. Il veut entreprendre ça parce qu'il a vu. Vous êtes un malheureux. La Bible nous dit que si vous faites la course avec celui qui marche à pied et que vous ne parvenez pas à le rejoindre, combien tu feras avec celui qui monte le cheval? Qu'est-ce que tu feras? Celui qui est sur le cheval, vous allez, vous marchez avec celui qui est à pied, il te surpasse. Et vous allez essayer de suivre le cheval, celui qui monte sur le cheval. Vous voulez devenir comme lui. Vous n'êtes pas comme frère, vous n'êtes pas comme ma soeur, mais vous êtes unique devant le Seigneur. Amen. C'est pourquoi lorsque Anne a prié, elle a prié, mais un jour elle a changé sa dimension de prier. Malgré vous avez les mortifications, ma soeur, de la belle famille, de la risée des hommes, des paroles des gens sur vous, depuis que vous avez prié, depuis que tu as terminé les études, nous ne voyons rien dans la maison. Les autres enfants sont, les autres familles sont, les autres maris sont, les autres femmes sont pour leurs enfants. Vous ne ferez pas quelque chose comme les autres, mais ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas paresseux. Lorsque vous entreprenez quelque chose, entreprenez parce que Dieu a des projets pour vous. Il est dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ne faites jamais et ne venez pas ici à l'Arche pour me dire, voilà ce qui se fait là-bas dans Quantième Rue. Voilà ce qui se fait. Moi, je ne serai jamais ce qui se fait ici à Kinshasa. Je ferai ce que le Seigneur m'a dit de faire. Et la preuve est que nous sommes là. Amen. Il y a même des forces des ténèbres qui viennent confesser au bureau. Il y a ceux-là qui sont dans l'occultisme, qui sont dans la magie, même dans la sorcellerie. Il y a ceux qui sont dans les pratiques, il y a des guérisons qui se font. Dois-je exposer ma sœur pour qu'il vienne nous parler ici de ce qu'il a pratiqué dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Il avait les montres, il avait des bagues, des chaînettes. Lui exposer ici pour qu'il me dise ce qu'il a fait. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin qu'elle vienne dire qu'il vive ici, qu'il voie ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Si lui-même veut témoigner et qu'il me demande, papa, avec tout ce que je viens de faire, s'il veut témoigner, je dis, ma sœur, tu es libre de témoigner. Amen. Mais moi, je ne peux pas le pousser de témoigner pour chercher la gloire de qui? Parce que tout ce qui s'est passé dans sa vie, ce n'est pas Sembe qui l'a fait, mais c'est Dieu qui a fait dans sa vie. S'il veut témoigner, qu'il témoigne. S'il veut rendre grâce au Seigneur, qu'il rende grâce au Seigneur. Ce n'est pas moi qui dois le pousser de passer devant à l'écran ici. Nos frères sont en train de nous suivre. Mais il y a des effets que le Seigneur est en train de faire. Amen. Il y a des élévations, il y a même des bien-aimés qui viennent dont on les a combattus, pas plus qu'avant-hier, on m'a appelé de Kananga, un bien-aimé qui a été élevé comme premier substitut à Kananga, on m'a appelé. Il a dit, papa, ici je suis ici, ma veste a disparu dans notre chambre. La veste, il y avait les signes de magistrats ou de quoi là, je ne sais pas. J'ai dit, frère, si la veste a disparu, toi, tu n'as pas disparu. Il a été dans une autre province. On l'avait combattu de tout part. Je lui ai dit, frère, lorsqu'on vous combat, sache qu'il y a de grandes choses qui vous attendent.
Et finalement, il est venu ici. Le substitut a joué un second. Et finalement, on l'a amené. Il est allé à Kananga. Et il m'appelle. J'ai dit, frère, vous n'avez pas besoin de ces vêtements parce que vous avez le vêtement du salut et vous avez le manteau de la délivrance. Et je lui ai posé la question, frère, quand Jésus-Christ est ressuscité, il a laissé tous les habits dans la tombe. Est-ce qu'il est, lorsque Jésus se présente à nous, il se présente nu? Yes. Jésus ne s'est jamais présenté nu, parce que lorsque vous lisez l'Apocalypse, il est encore habillé de fin lin. Dans quelle société de textile où Jésus-Christ est allé acheter les vêtements? Dans quelle société? Amen. Mais regarde Dieu qui dit, ah, Dieu, à qui donc craignais-tu? De qui avais-tu peur que tu m'aies régné? Que tu ne te sois plus souvenu de moi, que tu ne t'en sois point soucié. Ne suis-je pas demeuré en silence et depuis longtemps, tandis que tu ne me craignais pas? Le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence. Le silence de Dieu dans certaines choses que nous sommes en train de faire ou qui se passent même dans nos vies, dans nos familles, dans l'église ou dans notre nation, ne pense pas que Dieu est absent. Il n'est pas absent dans la famille parce qu'il vous connaît par votre nom. Moïse fuyait Pharaon, mais Dieu n'était pas absent. Il a fui Pharaon en Égypte, mais Dieu est allé le rencontrer dans le désert, dans le buisson ardent. Que Dieu te rencontre ce matin, là où vous êtes dans votre situation, qu'il te rencontre, dans la fuite que vous êtes en train de fuir les hommes, que Dieu te rencontre. Amen. Et voilà ce que Dieu a fait. Quoi que vous avez fait ça, c'est moi qui publierai ta justice et que tu as fabriquée. Verset 12e. Vous êtes là? Je vais publier ta droiture et tes œuvres ne te profiteront pas. Voilà. Je vais publier ta droiture, c'est-à-dire ce que vous faites, vous, que vous pensez être juste et droit, et tes œuvres ne te feront quoi? Profiteront pas. Mais parlez très fort. Tes œuvres ne te feront quoi? Vous savez, il y a certaines choses que vous pouvez faire que cela ne vous profitera jamais de tout. Ceux qui vont profiter, ce sont ceux-là que vous pensiez que vous êtes en train de les terroriser. Amen. Ce sont ceux-là qui vont profiter. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Quand tu crieras maintenant, ça dit Dieu va te laisser à une situation où tu sois jusqu'au pied du mur. Vous voyez Dieu? Il va te placer dans une situation sur un chemin sans issue. Et lorsque vous allez vous retrouver, vous allez crier. Mais qui va vous sauver? Est-ce que ce sont ces œuvres-là? C'est ta puissance? C'est ton argent? C'est une relation qui vont vous sauver. Vous allez appeler comme ça, personne ne répond. Écoutez Dieu. Le vent les emportera toutes. Le vent les emportera toutes. Et un souffle les enlèvera, mais celui qui se confie à moi héritera le pays. Amen. Et possédera ma montagne. Alléluia. Les vents les emporteront tous. Il y a un vent. Il y a le vent du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, mais il y a aussi le vent du jugement de Dieu.
Il y a toujours des vents. Dis avec moi, des vents. Le vent qui s'est passé le jour de la Pentecôte, c'était le vent du souffle de l'Esprit de Dieu pour amener la force, amener le témoignage de Dieu. Mais il y a un autre vent du jugement qui souffle aujourd'hui. Frère, ne tombez pas dans le piège de ces vents-là. Si vous voulez échapper à ces vents-là, ce n'est pas par la fuite, ces vents. C'est pourquoi, ça c'est l'étape 1, le point 1. C'est Dieu qui déclare la situation désastreuse, la vie de tous ces hommes. Mais deuxièmement, c'est Dieu qui prend l'initiative lui-même parce qu'il connaît votre valeur. Amen. Parce qu'il connaît votre valeur. Dites à quelqu'un, celui qui connaît la valeur d'un ouvrage ou d'une œuvre, c'est celui qui l'a fabriqué. Mais celui qui connaît votre valeur, c'est Dieu qui vous a créé. Même si quelqu'un autour de vous ne connaît pas votre valeur, il peut vous utiliser, il peut se servir de vous. Mais même un jour, Dieu va l'arrêter. Et quelqu'un m'entend, s'il vous plaît. Si vous êtes utilisé par les hommes, dis ce matin que c'est moi de sortir ici ces voies. Nous sommes dans un monde capitaliste. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans un monde capitaliste, un monde d'élitisme. On a besoin de quelqu'un, non pas par rapport à ce qu'il est, mais par rapport à ce qu'il a. C'est le monde capitaliste. Quelqu'un a besoin de toi, pourquoi? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un parce que vous, ou bien vous avez besoin d'intérêt que vous voulez par un profit, par une motivation que vous cherchez à atteindre dans cette personne, et lorsque vous avez atteint, c'est fini. C'est ça le moyen des gens aujourd'hui. C'est ça ce que les gens cherchent aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas besoin de nous par rapport à ce que nous avons, parce que ce que nous avons, c'est lui qui nous a donné. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Amen. C'est pourquoi il y a bien des frères que je suis en train de regretter, même ici à l'église de l'Arche, qui pensent, c'est pourquoi vous ne nous verrez jamais, frères et sœurs, dites ici à l'église de l'Arche, non, nous avons besoin d'un comité de partenaires. Chacun de vous est partenaire de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont trop importants. Lorsqu'il va donner son offrande, ou bien il donne quelque chose à Dieu, il pense qu'il peut dicter au serviteur de Dieu ce que le serviteur de Dieu peut faire. Pas ici à l'Arche. Ça ne sera jamais ici à l'Arche. Il y a bien des frères. Des années, vous ne le voyez jamais être engagé dans aucun ministère. Ne pas servir le Seigneur dans aucun ministère, mais vous le voyez. L'Arche, c'est mon église. L'Arche, c'est en église. C'est le bâtiment qui est en église. C'est le bâtiment. Parce que chaque membre du corps a une fonction. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Demande à quelqu'un à côté de vous, quelle est votre fonction dans le corps? Quelle est votre fonction dans le corps? Vous avez des talents, vous avez des grâces. Ce n'est pas seulement ton argent, mais les grâces, les potentiels, les capacités que Dieu a mis en vous. Mettez à profit pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est pour votre compte, ce n'est pas pour le compte du pasteur. Parce que ce jour-là, dans le tribunal de Dieu, Dieu ne donnera pas au pasteur ce qui vous appartient. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Il va donner la rétribution à chacun de nous, selon ce que nous aurions fait ici sur terre. Il ne me donnera jamais ce qui vous revient, parce que je suis pasteur, jamais du tout. Même nos mamans qui balayent ici, je priais cette nuit et j'avais des larmes aux yeux. Nous sommes assis ici, mais il y a des mamans,
des jeunes gens qui sont dans les logistiques, des mamans qui sont dans le ministère caché, comme Mama Bibi là. Elle venait ici souvent, avant qu'elle n'aille en France, pour balayer. Je vois les mamans qui balayent même nos enfants. Nous sommes en train de les éduquer ici pour la propreté de l'environnement. Mais les mamans viennent balayer. Nous n'avons jamais vu des jeunes, quelques jeunes ou qui que ce soit, prendre les balais pour balayer même notre cour. Et lorsqu'il veut s'asseoir sur une chaise, frère, levez-vous. Levez-vous un peu. Il veut s'asseoir sur une chaise, il fait comme ça, il regarde. Qui vous voulez qui le suit pour toi? Ça, c'est de l'orgueil. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il y en a combien? C'est pourquoi Dieu a dit ceci. Quand tu vas crier, que votre orgueil vienne vous sauver. Quand vous serez dans une situation difficile, c'est pourquoi vous allez entendre que vous priez, vous criez à Dieu, Dieu n'intervient pas. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Amen. Des fois, nous attribuons tous aux démons, nous attribuons tous à Satan, nous attribuons tous aux sorciers, mais celui qui a dit ici que quand tu vas crier, je ne vais pas écouter, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Qui a dit qu'il ne va pas écouter? C'est Dieu. Dieu ne va pas écouter nos prières. Même quand vous allez crier, lorsque vous serez dans la situation difficile, lorsque vous serez malade, lorsque vous vous trouverez dans une position qui est désastreuse, lorsque vous aurez des ennemis, Dieu n'interviendra pas. Mais il est dit que celui qui me craint, il va habiter le pays. Alléluia. Dites à quelqu'un, je vais habiter le Congo, je ne fuirai pas. Je resterai au Congo. Parce que c'est ici mon héritage, c'est ici le lieu que Dieu m'a béni. Amen. 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 Deuxièmement. Waouh. Tout au long de la semaine, ça c'est la Pâque. Hein? Deuxièmement. Dieu prend l'initiative, mais écoutez ce que Dieu dit. Verset 14. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Continue verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Voilà. Vous voyez là où Dieu habite? Voilà là où Dieu est. Qui peut atteindre Dieu? Dans ma version ici, il dit: car ainsi a dit le Très-Haut, dont le trône est éternel. Le trône, on ne peut pas avoir le trône sans royaume. C'est pourquoi Dieu est roi. Amen. Mais il n'est pas n'importe quel roi. Il dit qu'il s'appelle saint. Dieu est saint. La sainteté, c'est séparer du mal. C'est se séparer du péché. Sainteté, ce n'est pas une démarche où vous ne pouvez même pas écraser une fourmi. Boboto, bondeko, non, non. Ce n'est pas ça la sainteté. Ça cache certaines choses. Ce n'est pas... Hein? Non, non. Il y a certaines personnes qui peuvent vous saluer de cette manière-là. Oui, dans certaines tribus, c'est le respect. Dans certaines tribus, c'est le respect. Mais c'est les autres, c'est de l'hypocrisie, de la duplicité. Il peut vous saluer comme ça, mais c'est celui qui est derrière pour vous, pour dire des choses derrière vous. Écoutez là où Dieu habite. Parce qu'il sait que l'homme ne peut pas l'atteindre par lui-même. Ne peut pas arriver là où il est. J'habite en un lieu saint, mais aussi
Qu'est-ce que Dieu dit, verset 15? Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Je suis avec l'homme contrit. La contrition, celui qui se reconnaît incapable. La contrition, celui qui vit dans un sentiment de dire que moi, je ne peux rien. Comme la Bible nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et humilié, l'homme, Dieu, est un Dieu saint. Mais l'homme, Dieu veut que l'homme soit humble, c'est le contraire de l'orgueil. Ok? Et lorsqu'on est humble, Dieu dit qu'il est avec l'homme contrit. Celui qui se reconnaît, qui ne peut pas par ses propres efforts. Je ne peux pas abandonner ces chemins-là par moi-même. Moi, je vois certaines personnes, moi, vous savez, ces choses-là, je ne fais pas, moi, je ne fais pas. C'est comme si ce n'est pas notre propre effort. Non, non. Je n'ai rien de saint en moi. David a dit, il n'a rien de bon dans ma chair. Amen. Il n'a rien de bon dans notre chair. Sans Dieu, il n'a rien. Je n'ai rien de bon dans ma chair. Sans Dieu. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Continuez. Je ne veux pas contester à toujours. Voilà Dieu. Je ne veux pas contester à toujours. Ni garder une éternelle colère. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas vous mettre en procès. En procès toujours. Regarde, tu as fait ceci, tu as fait cela. Vous savez, même dans nos maisons, lorsque il y a toujours des remarques vis-à-vis de votre mari, vis-à-vis de votre femme ou vis-à-vis de vos enfants, vous créez en eux la révolte. C'est pas vrai ça? Vous créez quoi? Parce que tu m'as dit que je fais ça, je vais faire. Il va faire pour son malheur, mais celui qui a permis qu'il continue à faire ça, même si vous ne l'avez pas poussé, mais par l'orgueil, il va poser certains actes. Et quand il va poser ces actes-là à son propre malheur, mais qui a été l'instigateur? C'est pourquoi Dieu dit, il ne veut pas contester toujours, regardez toujours le mal, parce que vous êtes incapable. Amen. Vous êtes incapable pour venir entrer dans le royaume, pour venir vous réintroduire encore dans le royaume. Vous êtes incapable. Amen. Mais Dieu qui est transcendant, dis avec moi transcendant. Mettez votre main, transcendant. C'est même Dieu est devenu immanent. Immanent, c'est-à-dire Dieu, pas immanent comme il immanent de l'équipe, mais immanent, c'est Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Quand Dieu promettait à Israël, une jeune fille sera grosse, elle va enfanter un enfant. Emmanuel, Dieu avec, Dieu est venu avec nous, c'est lui-même qui a pris l'initiative pour que nous puissions retrouver le royaume. Amen. Amen. Vous savez que Dieu a versé son propre sang. C'est le sang de Dieu qui nous sauve. C'est le sang de Dieu qui nous rachète. Si c'était le sang des taureaux et des boucs, le sang des animaux, le sang de nos sacrifices, l'ennemi, parce que toute la terre appartient au diable, aucun sacrifice ne pouvait satisfaire le cœur de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu pour l'œuvre de la croix. Gloire soit rendue à Dieu pour l'œuvre de la croix. Là où Jésus-Christ a versé son sang, et par le sang de Jésus-Christ, maintenant, nous qui étions des pécheurs, Dieu vous considère comme juste. Amen. Mais quelle est notre part? C'est là que nous terminons sans clôturer. Mais tout au long de la semaine, venez. C'est là ce que nous allons continuer à parler pour que vous puissiez retrouver, frères et sœurs, le royaume de Dieu. Deuxièmement, quelle est notre part? Quelle est la part de l'homme? La part de l'homme, le Seigneur a écrit dans deux chroniques. L'homme, Dieu veut que l'homme soit humble. Deux chroniques, quelle est la part de l'homme?
Il y a un problème avec la technique. Quelle est la part de l'homme? C'est 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Dieu demande à son peuple parce que vous invoquez le nom. Vous êtes un peuple en qui le nom du Seigneur est invoqué. Hein? S'humilie. Ok. La première chose, c'est quoi? Première chose, c'est quoi? S'humilier, ce n'est pas l'humiliation. S'humilier, c'est reconnaître ses limites. S'humilier, c'est reconnaître ce que l'on a fait. Reconnaître son incapacité. C'est ça, s'humilier. S'humilier. Prie. Et cherche ma face. Cherche ma face. Et il se détourne de ses mauvaises voies. Merci, pasteur. Nous avons 4. C'est notre part. S'humilier, prier, chercher la face de Dieu, et se détourner de ses mauvaises voies. Ça, c'est notre part. Dites à quelqu'un, vous avez vu votre part? Tout ce qui vous arrive, lorsque vous ne vous êtes pas humilié, vous ne vous humiliez pas. La Bible nous dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et il vous élèvera au temps opportun. Si on pouvait s'humilier devant Dieu, Dieu est capable d'intervenir dans nos vies. À un moment, même nos ennemis. C'est pourquoi vous voyez lorsque un roi s'humiliait, Dieu s'est détourné de lui parce qu'il s'est humilié. Et il allait attaquer ses ennemis. Frère, quand nous nous humilions, nous appelons la protection de Dieu. Nous appelons la bénédiction de Dieu. Nous appelons l'assurance de Dieu. Nous appelons le secours de Dieu. Et Dieu vient lorsque nous nous humilions, même si les gens nous ont amenés dans une dimension d'humiliation. Mais toi, ne cherchez pas à vous relever par vous-même. Non, non. Si on vous a humilié, Dieu vous élèvera. Dieu va vous élever. Amen. Et quel est le résultat? Quelle est la part de Dieu? Dieu fera quoi? Je l'exaucerai des cieux et je ferai quoi? Je pardonnerai son péché et quoi encore? Et je guérirai son pays. Ouh, est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Voilà ce que Dieu va faire. Lorsque nous nous humilions, lorsque nous prions, prier vrai. Les Congolais prient trop sans prier vrai. Lorsque nous cherchons la face de Dieu et que nous nous détournons de nos mauvaises voies, Dieu va exaucer. Amen. Dieu va pardonner et Dieu va guérir. Que Dieu exauce. Que Dieu vous exauce, que Dieu vous pardonne, que Dieu vous guérisse dans toutes les dimensions de votre vie. Il guérisse votre profession, il guérisse votre famille, il guérisse vos affaires, qu'il guérisse. Que vous soyez guéri mentalement, que vous soyez guéri affectivement, que vous soyez restauré. Donc, comme autrefois, comme Job qui a été humilié et Dieu l'a élevé et l'a béni. Que le Seigneur vous bénisse.